Salut à tous, c'est Kira, on est de retour sur PVZ2. La dernière fois, on a du coup perdu à la pyramide de la mort, on a essayé d'aller le plus loin possible. Malheureusement, on n'a pas réussi à atteindre le level 20, mais c'était quand même plutôt cool. Dans cet épisode, on va tester une nouvelle plante premium, on en profite, hein, c'est Halloween. Donc je vous propose de tester la citrouille lanterne. Voilà, on a une quête épique qui nous permet de récupérer derrière 50 sacs de graines. Donc allons-y pour tester la citrouille lanterne. On l'a pas testé la citrouille lanterne. Je suis en train d'hésiter d'un seul coup. Non, je crois qu'on connaît pas du tout cette plante. Donc allons-y, on verra bien. On a testé le fantôme, on a testé l'autre plante, mais celle-là, je crois qu'on ne l'a pas fait. Voilà, bon, allons-y, on verra bien. Alors je vais attendre que les zombies apparaissent avant. Ça a l'air d'être une plante qui explose, non? Alors je vais déjà placer le maïs. Alors attendez, je vais voir, je vais la poser. Elle fait quoi? Ok, elle vient de se faire bouffer. Il ne s'est rien passé. Je vais la mettre un peu plus loin. Je sais pas du tout ce qu'elle fait, donc là je suis un peu en mode... j'attends, hein. J'attends quelque chose. Hop, je vais mettre une noix devant pour la protéger. Là pareil, on va mettre une noix devant. Ah d'accord, ok. Ah mais il faut appuyer dessus. Ah mais il faut appuyer dessus pour l'activer, d'accord. Et je peux pas appuyer dessus à l'infini. Attendez, elle vient d'être bouffée malheureusement. Elle vient d'être bouffée. Alors lui normalement il va mourir. Donc il a une portée de 3 cases. Et attendez, je peux vraiment appuyer dessus à l'infini. C'est beaucoup trop fort. On va remplacer une ici. Allez, on crame tout ça. Mais attendez, c'est beaucoup trop fort, il y a un problème. Non, 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 il y a quelque chose qui va pas là. Ça peut être aussi fort. Je sais qu'il y a des plantes premium très fortes. Mais à ce point-là. On va attendre qu'il se rapproche. Alors je vais jouer en accéléré là. C'est beaucoup trop long. Mais c'est beaucoup trop fort. Attendez, excusez-moi. On va placer un engrais. Voilà, ça va tirer sur toute la. Oh, ça place des petites flammes un peu partout. Énormément stylé. Mais je trouve ça beaucoup trop fort. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Ou alors il y a un truc vraiment que j'ai pas compris, mais du coup voilà, comment perdre? Ça utilise peut-être. Ah, ça utilise peut-être des soleils, mais vu que là on n'a pas de soleil. Ah, ça utilise peut-être des soleils. Mais vu que là on n'a pas de soleil dans ce level, je dis bien peut-être. Moi j'en ai vraiment aucune idée. Allez, meurs. Oh, les meurs. Ah, bah, je spam, hein. Ah ouais, non, mais clairement, ça fait tellement le taf. On va voir les autres levels pour voir un peu. Pour voir un peu ce qui se passe si on nous donne des soleils et tout. On va voir. Parce qu'on sait pas du tout son coût. Hein. Sa tombe, elle coûte super cher. Peut-être qu'elle coûte, je sais pas, 500 soleils. Mais même 500 soleils, ça reste... même pour 500 soleils, en fait, elle reste bien, je pense. Et c'est parti. Alors. On est encore sur du tapis roulant. Je pense qu'on va être sur du tapis roulant tout le long. Alors, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires de cette plante. Mais je la trouve clairement balèze. Je la trouve même trop balèze. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu étrange. Hop là, on va mettre une plante électrique ici. Hop, encore une citrouille. Je clique. On va commencer à placer des noix. Bah alors, on n'arrive pas à passer? On va mettre un aimant au milieu du coup. Mais même les aimants, mais même les objets en métal, ça me fait pas peur. Même les objets en métal, ça me fait pas peur. Voilà. Ah. Là en haut, c'est en train de détruire. Les plantes. Ah, il nous emmerde par contre ceux-là là.
Après, du coup, ce qui est difficile avec cette plante, c'est qu'il faut gérer toutes les lignes. Elle est là la difficulté. Il faut gérer toutes les lignes et il faut faire vraiment très attention aux zombies qui arrivent parce qu'elles tirent pas automatiquement. Donc c'est peut-être que... Voilà, c'est peut-être sur ça qu'est la difficulté de ces plantes. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Et toujours les utiliser. Et franchement, tu te fais une ligne de citrouille, ça reste quand même balèze. Ça reste quand même plutôt balèze. Bon, allez, on le termine, lui. Allez, on le termine. Allez, voilà. Au revoir. Pour l'instant, dans les trois plantes premium du coup d'Halloween, c'est celle que je trouve la plus forte. C'est vraiment la citrouille lanterne. Je la trouve très très puissante. Soir. On se refait une petite ligne. Petite ligne de citrouille. Alors cette fois-ci, on a 4 vagues. Je vais mettre où? On va mettre ça un peu plus loin. Voilà. On va se mettre les durants ici. Brain. Oh, on en les pelles. On en les pelles. Est-ce que je peux le tuer avant? Oui, 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 très très bon. Très très bon. Hop, le durian. Ouais, elle est là la difficulté en fait. Faut pouvoir appuyer toujours sur toutes les citrouilles. Après, si on peut appeler ça, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la difficulté. Hein. Faut juste cliquer partout. Je cherche même pas à comprendre, je clique. On va en rajouter où? On va rajouter là, devant. Ah non, là ça va me pousser. On va claquer un petit engrais maintenant. Même l'engrais est plutôt pas mal aussi de mettre des petites flammes là. Un peu partout sur le terrain. C'est assez cool. Enfin, on me redonne tellement d'engrais encore une fois. Après, faut savoir que les quêtes épiques, c'est pas censé être compliqué. Hein. Les quêtes épiques sont là pour nous faire découvrir des plantes et nous donner envie de les débloquer. Donc c'est pas censé non plus être très compliqué. Ouais, on a de l'engrais, go! De l'engrais. Il est à peine sorti que lui, il va déjà mourir. J'ai tellement de citrouilles. J'ai tellement de citrouilles. Même le gargantua, on le dégomme, on le crame. On le détruit le gargantua avec cette plante, on le détruit. On le détruit littéralement. C'est beau. Et en plus on termine du coup une... Putain, on termine une quête en même temps, trop bien. On termine une autre quête. Ah c'est cool ça. Ah oui, on fait cette quête, trop bien. Trop trop bien. Ok, des graines d'éclateurs de tombe, pourquoi pas. Alors... Vous savez s'il y a un événement pour Noël? Oui, je vous pose des questions, vous pouvez pas me répondre en direct, mais je voudrais savoir. Ah, cette fois-ci, on utilise des soleils pour... Donc 225, elle coûte la citrouille, donc elle coûte vraiment pas cher. Elle coûte 225. Ce qui est vraiment pas cher, je trouve. Franchement, en tout cas pour la puissance de cette plante. Je trouve ça très très cool. On va se faire deux lignes de tournesol. Hop. Et ça n'utilise pas de soleil du coup. Non, ça n'utilise pas du tout de soleil quand j'utilise. Donc elle est très forte. Elle est du coup très forte. Je pense que c'est une des plantes premium les plus fortes du jeu. Franchement, je pense clairement parce que... Bah, d'avoir une plante comme ça qui fait autant de dégâts et qui peut taper illimité... C'est puissant. Ah merde! Il y a du gel. Ah, il y a du gel, il y a du gel, il y a du gel. Ah, et en plus, ça bouffe mes plantes là-bas. Mince. Alors, vous mourrez. J'avais pas pensé à ça. Toi, je te détruis.
Oh là, lui va mourir. Ouais, bon là c'est un peu plus dur parce qu'on a du mal du coup à placer les citrouilles. Il est pas mort lui, toujours pas. J'ai pas claqué un engrais pour le tuer quand même. Ah si, on va devoir claquer un engrais. Non, il va mourir. Bon, je claque un engrais, tant pis. Je peux pas trop savoir donc. Allez. Quoi que j'ai oublié de les activer. Bon, pas grave s'ils sont gelés derrière. Oh, je peux pas geler tout. Je peux pas tout dégeler. Et ça me saoule de placer des citrouilles aussi loin. Non, toi. Par contre, il va falloir remplacer en bas. Donc, par contre, il y a un grand temps de. Ouais, par contre, ça met du temps à revenir. Donc, elles restent très fortes, mais forcément, vu qu'elles sont très fortes, bah, ça met du temps à revenir. Ça, c'est normal. Pas tout avoir non plus. On va mettre une noix. Allez, une plante citrouille en bas. Allez, je vous crame la gueule, moi. Allez, je vous crame tous la gueule. Proprement, en plus. Ah, c'est la dernière vague? Non, c'est pas encore la dernière vague. Là, je vais... Allez! Ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut toucher les zombies qui volent. Allez, on fait quand même des dégâts sur les zombies qui volent. Et voilà, on a la dernière citrouille. Du coup, là, on a une citrouille sur toutes les lignes. Et maintenant, c'est gagné! Ah merde, oh putain, il a réussi à me bouffer là. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, ça suffit. Ouais, on déclenche une tondeuse à gazon, ouais. Le mec est complètement perdu. On a de l'engrais, de toute façon c'est la dernière. C'est la dernière vague là, non? Ah c'est la. Ouais bon c'est la dernière vague. Parfait. Bon c'est un peu plus compliqué quand tu dois les poser toi-même avec des soleils. Hein. C'est autre chose quand même. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Ah il manque 10 sacs de graines. 10 sacs de graines encore. Et ben on va en récupérer des graines à la fin. Et c'est parti pour la dernière étape. Allez, un tapis roulant, là, s'il vous plaît. Un tapis roulant? Un tapis roulant, on adore ça. On adore ça. Alors là, il y a de tout. Hein. Je crois avoir vu de tout. Il y a vraiment, vraiment de tout. Je les place où? On va les placer là. Tiens, pour détruire les tombes. Ah, mais on peut rester appuyé! J'avais pas compris. Non mais du coup c'est encore plus fort. Oh je découvre ça à la fin. En fait on peut rester un peu appuyé. Voilà ça fonctionne plus. Attendez comment j'ai fait? Ah mais parce qu'il faut les laisser se recharger. On a la petite flamèche au dessus. Oh je viens de comprendre. Après est-ce que c'est une bonne idée de rester appuyé? Je ne pense pas. Appuyer une fois c'est ce qu'il y a de meilleur certainement. Sauf que quand il y a beaucoup de zombies. Oh là 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 là, je suis désolé. Je suis désolé. Donc elle est pas vraiment illimitée. Hein. Elle est pas vraiment illimitée. J'avais pas vu. Ah ça c'est vraiment le genre de truc où je fais pas attention. Hein. Ah du coup je m'en veux. Et je m'en veux énormément. Parce qu'à la dernière étape je m'en rends compte. On va accélérer. Oh, vous mourrez. Ah mais je peux pas les toucher je crois. Allez. Hop. Voilà, merci. Compliqué, tu vois, en accéléré quand même. Oh là, qu'est-ce qu'ils font là? On va directement mettre une citrouille. Ici. Oh les tiens. Oh les tiens. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je te brûle. On va... Oh là là, là là là. Alors là, par contre, faut claquer un engrais maintenant. Allez, brûler. On a encore de l'engrais, donc on va le claquer maintenant. Non, détruis pas ma citrouille. Il y a du monde, hein. Oh, il y a du monde, oh, il y a du monde. Ils font tellement de dégâts. Je gérais trop de trucs. Au secours. Au secours. Allez, allez, tout on te crame. Allez, tout on te crame aussi. Toi je te crame, merde j'ai perdu une des plantes. Ah ils arrivent quand même à passer hein. C'était la dernière vague. Voilà, lui on le détruit. On termine avec le piano. Et on n'a pas perdu de tondeuse à gazon. Mais c'était juste. Allez tue-le lui. Je vais pas réussir à le tuer lui.
Si, c'est bon. Ah si, j'ai déclenché une tourneuse à gaz en bas, je faisais pas attention. Très bien. Bon, du coup, je viens de comprendre la plante que maintenant, j'en suis désolé, j'avais pas fait attention à la petite flamèche qu'il y avait au-dessus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Puisque nous gagnions 50 graines, du coup, de la citrouille lanterne, mais on n'a pas la plante. Hein. Ouais, faut pas non plus abuser, hein. Ils vont pas tout nous donner. Et là, ça nous permet de... Ah oui, de valider notre quête supplémentaire. Attendez, on peut encore récupérer des gemmes, je crois, là. On peut encore récupérer des gemmes facilement. Bah sympa en tout cas, cette plante premium, c'est bien, ça nous a permis de découvrir la citrouille lanterne, que je ne connaissais pas du tout du coup. Là ils disent quoi, éliminer des zombies qu'on ait des 5 de graines, oh d'accord. Oui bon, on peut regarder, on peut regarder une petite pub, ça nous fait gagner combien de gemmes, une petite pub. Ça nous fait gagner 5 gemmes. Non, et en plus, regardez, ça dure 5 secondes. Au point que nous, les critiques, on va être payés pour lire ces daubes. C'est même... il a raison. Le monsieur a raison. Et là, ça nous fait 5 gemmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était un peu bizarre. Donc là, hop, on a gagné les 3 gemmes, du coup. Oui, on a gagné les 3 gemmes, plus les 2 gemmes, du coup, de cette quête. Et on est à 80 gemmes. Eh bien écoutez, on avance plutôt bien. Bientôt une nouvelle plante premium. Alors, est-ce qu'on pourra la débloquer la prochaine fois? Peut-être, hein, mais j'en suis pas sûr. On verra bien. Et voilà. Bon ben merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur PVZ2 et d'avoir découvert voilà, ensemble la citrouille. La fameuse citrouille, cette plante citrouille qui est tout à fait incroyable. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, portez-vous bien. Salut.